Yo tout le monde, c'est Tiob. Épisode 11, on joue sur du Rome de Total War. Pas de son, oui effectivement pas de son. Voilà, c'est mieux comme ça. Alors, on s'est arrêté, oui on avait commencé un petit peu à partir au sud. Ah non, on avait, oui, on avait pris Artaxa et on s'était défendu. Là, on avait une attaque de la part d'une armée qui revenait de qui venait des Karana. On va voir si là, eux, ils nous attaquent également. Les tueurs d'empereurs, bah, ils sont là. Oui, mais bon, j'ai une petite armée quand même pour défendre. Au cas où, je peux même en améliorer 6, mais je me souviens pas trop de ce qu'il y avait sur la partie d'avant. On va attendre. Attaquer. On n'est pas trop mal et lui il restait. Ah non, il a pris, c'est bon. Il reste que ça au goût maintenant, c'est bon. Ok. J'ai oublié de regarder à l'ouest, à l'est. C'est pas grave. Objectif, bah là, défendre. Et je crois que j'avais lancé les technologies militaires. Ah, parce que bon. Il me semble que on n'est pas très très développé pour ça. Ensuite, petit espion. Ok. Là, je vois qu'il y a un agent vivant. On va essayer de l'assassiner, hein. Il fallait la blesser, je crois, hein, c'est ça. Hein. Hop, ici ça reconstitue tranquillement. Là, on va bien augmenter. Hein. Un bâtiment industriel, c'est parfait. Hop là. Les goûts, ils ont rien compris, c'est pas grave, ça me va. Là, encore en train de piller mon territoire, ça commence à m'énerver. Allez, on va aller finir. Même pas de perte, j'ai eu un peu de chance. Hop là. Voilà, on est à Petrodava, on a le moral, enfin l'ordre public qui est bon. Administrateur économique. Montrer un peu nos revenus, c'est pas une mauvaise chose. Ouais. Ici ce sera un agricole. Ouais, ça va être agricole. Hop, on est où? Ok, ici on est comme ça. J'aimerais bien m'avancer. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Ah merde! Oh, j'étais en marche forcée. Ah, j'avais pas vu. Un tour prochain, je m'avancerai et je ferai un fort. Zut. Zut de flûte. J'avais pas vu que j'étais en marche forcée, quoi. Ah, couillot que je suis. L'ego cherche à faire la paix. Ouais. Ils proposent pas mal d'argent. Pour l'instant, ils sont pas une menace. Je retournerai peut-être plus tard sur eux. Sabotage, gna gna gna, blablabla. Très bien, alors. Hop, une belle armée à améliorer, bien évidemment. On passe. Enfin, une position fortifiée ici. Il suffit de demander. Ah non, bah c'est parfait. Hop, l'espion, là, j'ai vu qu'il y avait là-bas. Il y a trois armées là.
faire un petit assassinat là-bas. Je suis le poignard dans l'obscurité. Ici. C'est pas mal, hein. Là il y a le moral. Oui, ça a fait une rébellion là, ça a fait une rébellion. Je sais pas où chez lui, mais il y a une rébellion. Allez, on va voir. Yes. Ça c'est bien. Qu'est-ce que ça me permet de... Derrière la hache, en armure. Je crois que c'est ce que j'aimais là-bas du coup. Ici on est comment? Oula! On a des risques épidémiques ici, ça c'est pas cool. Ok. Je regarde si j'ai de la construction à faire quelque part. Non. Dacia. Les corps nomades. Voilà. On se prépare à avoir assez de nourriture au cas où. Et là c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Voilà. 700 up, 7. On améliore. Ah non, 6, 7. Voilà, on améliore les armées, hein, bien évidemment. Hein. Faut pas déconner, rejoindre la guerre. La contre. Gloire sera vôtre. Prenez part à une guerre ouverte contre ces gens. On fait un petit paiement. Ah bah non. Il n'y a plus d'argent, désolé. J'avais pas vu. Ah, ce sont des choses qui arrivent. Hein. Oula, Gabata. Il y a du monde à Gabata. Il y a beaucoup de monde à Gabata. Deux armées complètes. Bon. Voilà, déjà ce que je vais faire là. Que je vais les mettre mal en point. Y'a qui là? Et puis on retourne là-bas. Ensuite, j'ai pas le choix. Merde, j'ai pas la portée. Je voulais les ramener là, mais. Et je peux recruter du piquier. Ouais, une unité, c'est pas assez. Ok, on va essayer de la jouer fine. On va essayer de la jouer fine. Je vais mener quelques batailles là. Je vais essayer de tuer ce général là. Déjà, ce sera une bonne chose. Ah, ça y est, j'ai débloqué toutes les. Yes. Ouais. Non, c'est pas ça. C'est ça, voilà. Ouais, donc je vais essayer de mener les batailles là pour les affaiblir. Hop, ça c'est parfait, un général ennemi en moins. Comment ça se passe, attends. C'était du hasard. Ah, c'était du hasard, mince. Donc oui, voilà, je vais mener les batailles sur le champ, elles sont bien sûr disponibles en fin de vidéo pour ceux qui veulent, et pour les autres, on se retrouve juste après. Alors, bon, on reprend. C'est une bataille bon, avec les pertes qui sont à notre avantage. Bon, cependant, vous voyez hein, sur le récap, 475 des pertes que j'ai subies sont dues à des tirs alliés parce qu'ils se tirent dessus. Je sais pas comment ils se débrouillent. Ils sont incapables de ne pas se tirer dessus. C'est comme ça. Je vous avoue que c'est pas cool. Mais pas de choix. Hop, ouais, bon, on retourne bien évidemment.
dans la province, enfin dans la ville. Et elle est surentraînée leur armée là. Ouh. Et au grand mot les grands remèdes. Je vais lever une armée avec, avec lui là qui aura des mercenaires. Et s'il meurt, c'est pas très grave. Ouais, des mercenaires, ouais. Au moins qu'il y aura un peu de mercenaires. Ce sera toujours ça de prix. Ça peut pas beaucoup mieux faire, les gars. Ah, ici, ça vient pas. Là, on est bon. Ah, et puis là, je vais le mettre ici et je vais le mettre là. Et on va sûrement se faire attaquer à Gabata et on va voir ce qu'on peut faire. Oh la vache, il y a vraiment beaucoup d'unités. Voilà, donc comme je disais, on se fait attaquer à Gabata. Hein. À part cette armée là, ça par contre c'est pas ouf. Je vais voir si... la résolution auto ne marche pas. Bon bah je vais mener la bataille sur le champ. Voilà, on va voir ce que ça donne. C'est con parce que j'ai pas de piqué, j'ai très peu d'unités corps à corps. Puis on se retrouve bah, juste après. Hein. Pour les autres bien sûr, est disponible en fin de vidéo. J'ai perdu un peu moins de la moitié de mon armée, un gros tiers de l'armée, mais bah là je lui ai fait perdre 80% de son armée à lui. Donc ça me va. Bien évidemment on relâche, mais attention, pas se reposer sur ses lauriers. On sait jamais, encore une petite armée renfort qui pourra arriver, c'est très très vite arrivé. Non, ça n'a pas l'air. J'ai rien dit. Putain. Attraque ça. Ça, je l'ai pas du tout vu venir. Une résolution auto où ça se passe tranquille pour moi? Non, bien évidemment. Il y a du conscrit. Il y a beaucoup de... Oh la vache, il y a de l'unité à distance. J'ai très très peu d'unité. J'ai une seule unité de cavalerie lourde de mêlée. Ça va être compliqué quand on voit toutes les unités qu'il y a à distance. Et après lui il a que deux unités de cavalerie, bon. Je vais essayer de la jouer en deux temps. Battre cette armée là. Assez rapidement. Essayer de temporiser celle-là. Bon, bah je vais me la mettre sur la bataille sur le champ. Ils sont plus nombreux. On se retrouve juste de suite pour les autres. Bien sûr, la bataille est disponible en fin de vidéo. Une victoire donc. Compliqué, hein. Toujours compliqué, mais une victoire. Bien évidemment, on relâche les captifs, hein, ça fait de l'argent. Bon, je commence à, comme je disais, hein, je commence à m'y faire. Hein, je commence à bien comprendre la manière dont on doit jouer les Alains. Qui est clairement pas la manière que j'utilise d'habitude. Ah c'est pas vrai, arrêtez de fuir un peu. Ah mince. Bon, ça va pas suffire. C'est pas très grave. Là on est bien. Là on a réussi, putain les gars, ça c'est bien. Ils ont quoi là?
très très peu d'unités. Ah, sérieusement. Bon, on va changer. Ah, on assassine leur général. Ça devrait mieux se passer. J'ai pas envie de la jouer en manuel. J'ai un peu la flemme, je vais pas vous mentir les gars là. Déjà la troisième bataille que je mène. Ah ok, son dirigeant de faction, il est blessé. On continue. Protection. Et pareil, on relâche. Ça nous fait de l'argent. Qui es-tu? Je n'ai pas la portée de toute façon. C'est pas grave. Voilà. Hop, on dissout. Voilà, même toi d'ailleurs, je te dissous, faut pas déconner. Sabote, on n'y arrive pas. On sabote, mais pas trop non plus. ici, c'est agriculture un peu. Hygiène publique. Ouais, pour la reconstitution d'armée, peut-être. Parce que ça du coup de recrutement, ça c'est pas fou. Ah, bien évidemment, on augmente les capacités de recrutement. Ici on développe, hein, ça nous rapportera plus d'argent. Et là ça fait plaisir parce qu'on est à peu près tranquille. Grâce à notre allié romain. Attention quand même, Palmyre. Okay, je reviens, mais notre allié romain, mais voilà, Drobeta, on va lui donner cette unité là. On ne sait jamais. Pas d'attaque à prévoir ici, c'est pas mal. On s'en sort pas, hein, les gars, là ça stagne vraiment. En même temps, je prépare mes unités là, donc destrier royaux Alain, cataphractaire des steppes, archer cataphractaire. Ah ouais, je sais pas s'ils font plus de dégâts là, j'en ai 40. Là je vois ils font 40, je veux dire. 42, bah ils en font moins. Voilà, moins de dégâts à distance, hein, ça c'est cool. Bon. Bah vous savez quoi, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Hein. But, l'objectif du prochain épisode, ce sera de tenir jusqu'à la possibilité de recrutement des meilleures unités. Voilà, ça, on va garder ça. Donc sur ce, je vous remercie à tous d'avoir suivi. On se retrouve demain pour le prochain épisode. C'était Tiob. Ciao. Alors. Ok, sec, ça c'est bon. On est là pour faire des pertes. Et pour en subir le moins possible. Voilà, un petit rappel de nous, est-ce qu'on en est actuellement. Voilà, donc là on commence. Hop, on court, on essaie de tuer le général, on fait gaffe de voir où viennent, d'où viennent les renforts ennemis de l'arrière. Très bien. Ok, donc on va sur notre interrupteur escarmouche, bien évidemment. Là, on voit qu'il y a de la cavalerie. Faudra que je reste hors de portée. Hein. Tire, ça c'est bien les premiers. Ouais, d'accord, ça tire, mais pas ouf. Hein.
Beaucoup de cavalerie, hein. Beaucoup de cavalerie de son côté. Voilà, on va remettre, on va se remettre dans les plaines. Attention, j'ai l'impression que c'est de la cavalerie légère, ça. Ouais. Donc ne pas se faire rattraper, ce serait dommage, mais on fait des bons dégâts, hein. Regardez ça. Oula. Pourquoi il... Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il est perdu, il s'est perdu, lui, hein. Il s'est vraiment perdu, hein, littéralement. Ils sont combien à la tenir? Ah d'accord, il est tout seul, mais il tient. Ouais, c'est... Alors le général, je vais juste le faire aller dans le coin là-bas. Hop. Bien évidemment, on maximise le feu. Voilà, je veux absolument qu'ils se prennent une pluie de flèches. Hein. Hop, archer là derrière encore, pareil. On regarde un peu derrière. Hein. Ouais. Bon, j'aurais pas eu général ennemi, par contre, ça serait un peu le point négatif. Hein. Ça se passe comment là? Ouais, c'est pas trop mal. Là, il y a une bonne perte chez lui. Là, il y a doublement bonne perte chez lui. Là-bas, c'est le général ennemi qu'il faudrait que je tue. Attention, on a des chameaux ici. Voilà, là, les cataphractaires, ils sont tombés. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ah non, d'accord, c'est une... Ouais, j'en ai perdu. Voilà. Comment ça recule, là? Faut pas que ça recule. C'est quand vous voulez vous tirer, les gars. Ouch. Putain, ils y arrivent pas, les cons. Ils foutent tout dans le vent. C'est pas vrai. Voilà, ça les retient un coup, là. Pourquoi ils avancent? J'aurais donné aucun ordre, hein. Vraiment. J'aurais pas du tout donné l'ordre d'avancer, c'est... Mais ils avancent quand même, quoi. Regardez, ils sortent, ils sont en mode cool. Ok, cavalerie lourde. Ouais, je crois que c'est l'interrupteur escarmouche, ils sont en panique, là. Voilà, faites plus voir les traits. C'est dur pour eux là quand même. Enfin, je vais pas me plaindre. Hein. Ouais. Oups là. Serpent à brique là pour les archers à chameaux. On a porté si j'étais nombreux. Ah bah et pars pas comme ça toi. Allez, on arrête les sortes quant à break. Ouais, j'aurais bien aimé en avoir un peu plus là, mais... Ah, on a l'air d'attirer là les unités de cavalerie là derrière. Allez, on recule. On recule les gars, on recule. On recule mais pas trop vite. Allez, on tire s'il vous plaît. Allez les gars. Ah bah ouais. Ah, on accélère là, les cataphractaires là juste derrière. Oula, attendez, ça c'est l'ennemi de map. Oh merde. Oulala. Là là. J'avais zappé tout ça. C'est pas grave. Allez hop, on accélère le tir les gars, là, tout le monde là, hop. Je veux que les cataphractaires y tombent. Je veux que les immortels là-bas tombent.
partout avant l'arrivée des lance-projectiles ennemis. Hein. Allez, on envoie tout ce qu'on a, on envoie. Putain, ils ont pas de munitions, ça se passe comment les gars? Voilà, c'est ça qu'on veut, ça c'est beau. Cataphractaire à chameau. Ah ouais. Voilà, ça devrait tomber là, allez. Hein. Ok, ça devrait tomber assez rapidement. Hop, voilà. Hop là, on va revenir par là. On va se mettre hors de portée du feu là du tirailleur. Non. Ok, bon bah on va retourner par là-bas du coup. Le général, je vais te taper un sprint là jusqu'à l'autre bout de la map. Ils sont ralentis par la forêt, c'est pas très grave. J'aimerais bien réussir à tuer là, les généraux au moins. Mais je n'y arrive pas. Hop, ouais, le général c'est bon. On a presque pas utilisé de munitions, hein, c'est fou. Hein. Il y a des tirailleurs, frondeurs, archers. Ok, c'est plutôt pas trop mal. On va se rapprocher, on a un peu d'avantage. Ma question c'est, est-ce qu'ils sont fatigués? Ils sont fatigués, ouais, donc faire attention. On va accélérer, mais tranquillement. On va laisser se reposer un coup. Un bout de souffle, état de fatigue, ouais. Actif, ouais, ça baisse bien. En forme, c'est bon, ça recommence à redevenir en forme tout ça. Actif. Ok. Lui, là-bas, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il va falloir l'emmener là-bas. Cours un coup. Zoup. Hop là, on a vu là la cavalerie qui sort. Allez, marche arrière. On court pas encore. Enfin, on gobe pas encore. Voilà, faut attirer les chameaux. Hein. Faut vraiment attirer les chameaux. Ah, je sais pas la portée là. C'est un peu con ce que je fais. Même que je reste à portée. Ah, attention. Ils se mettent en diamant là-bas. Voilà. Ça tire. C'est ça qu'on aime. Ouais, mais si je me rapproche là, du coup, tu vas flipper, mon gars. Ah ouais. Voilà. Hop, attention là-bas tout de même. On a quoi là, ça prend un peu de dégâts, c'est tranquille. Voilà, allez hop. Zut, on redécale là derrière la forêt. On sera pas ralenti. Les tirailleurs qui sont là, ils prennent pas mal de dégâts. Là j'ai une unité qui a pris cher, attention quand même. Ici il y a quoi? Le cataphractaire à chameau. Ouais, qui ont pris aussi des dégâts, hein. Ça c'est bien. Hop, lui, je vais aller là-bas. Envoyez à l'encre quand je tue. Offrez-moi
Pourquoi j'ai tant de pertes que ça là, comme ça, quoi. Je comprends pas. Soit ça doit être des tirs alliés en fait. Hein. J'ai l'impression que je me prends des tirs alliés, je ne sais pas trop pourquoi. Allez, ça fait des victimes, ça, 0, super. Attention. Ouais, ouais, regardez, hein, en fait, j'ai des. J'y arrive. J'ai des morts par tir allié. Je sais pas comment ça se fait. T'as manqué plus que ça, quoi. Lui, sinon, il se déplace. Ouais. Allez, quoi. Hop, ça là, attention, on a eu. Et merde. L'autre là, il s'est fait prendre le pas. Ok, cataphractaire à chameau, ils sont partis. Eux là. On s'en charge, ça c'est bien. On a la portée. Courir, ils vont se faire éliminer petit à petit. Voilà. Suivant. Voilà, je veux un feu nourri contre eux. Ouch. Attention, on a vu les gars ce qui se passe là, ça comprend le feu des frondeurs. Ah, donc on décale. Putain, j'aimerais bien réussir à les avoir là. C'est deux généraux qui traînent là. J'ai vraiment une unité là. Ah, non, toujours. Je vais prendre les salves là. Je vois que j'ai quelques. Unité sans munitions, on va les faire quitter le champ de bataille. Voilà, déjà ils se tireront pas les uns sur les autres. Hop, attention, voilà. On voit le général ennemi là. C'est une bonne chose, on a réussi à la tirer. Okay. Hop là, reste emporté toi. J'ai pas fait tant de victimes que ça sur le général ennemi, c'est dommage. Bon. On va vider nos munitions, hein, tout ce qu'on peut. C'est quoi, ce sont les munitions d'unités d'archer, ça c'est pas bon. Là il s'arrête. Hein. Toujours garder un peu plus de distance que l'ennemi. Hop, c'est là, regardez là. Là ils allaient tirer. Voilà. Unités là, elles sont encore de munitions, on les sort du champ de bataille. Alors, remets le mode escarmouche au cas où. Allez, on recule tout droit. On les fait s'enfuir, voilà, ils ont plus rien à faire. Allez, rechargement rapide, je veux pas qu'ils s'en tirent lui.
On le laisse pas. Bon, eux, il a plus de munitions, hein. Casse-toi. Lui pareil. Ah papa papa, oh, elle est pas non plus trop. Hein. Non parce que les fentes là on les connaît hein. Pas partir, allez. Voilà, bon, on a fait du bon travail. Voilà, on va sortir, on va se faire une petite retraite maintenant. Il n'y a plus trop de munitions, on a pris beaucoup de dégâts alliés. Hein, voilà, peu de dégâts ennemis, mais beaucoup de dégâts alliés. On pourra voir sur récap, je pense. Ouais, voilà, 420 de dégâts de tir, mais de dégâts alliés. Hein. Je sais pas, je sais pas comment ils se débrouillent, honnêtement. Ça... Alors, déploiement des pièges, bah là va falloir tout déployer, essayer de faire au mieux les gars, il y a du chevaux de frise, hop, ça va falloir que j'en profite pour une fois, il y a un placement correct pour pouvoir le faire, c'est pas souvent, donc faut pas le rater. En espérant bien évidemment hein, qu'ils viennent de là et qu'ils viennent pas de là genre. Ça, ce sera la surprise, mais je vois que mes renforts arrivent. Ah ouais non, mes renforts arrivent de là. Ah ces renforts lui ils vont arriver là-bas. Ah zut. Bon. On va essayer ça. Je sais pas. Honnêtement, j'ai aucune idée de si ce sera efficace ou pas. Voilà, là je mets les unités. Là, même principe. Mettre toute la cavalerie là. Lance projectile, je vais la mettre là. Ça les empêchera de passer. Voilà. Bien évidemment, je les mets en mode escarmouche. Et bah, on croise les doigts. Ça va être difficile, les gars. Ça va être difficile. Ok, leurs renforts viennent de. Ah, il est bien derrière, quoi. Merde. Ah bon, allez, hop. Grouillez-vous les gars. Ouais, ça c'est pas ouf. Bon, lui là, il devrait au moins prendre assez cher rapidement. Hein, voilà. Entre les pièges, les chevaux de frise et tout le bazar. De ce côté-là, ça devrait aller. De passer. Allez, regardez qui est déjà. C'est la cavalerie lourde en plus, putain. Aïe, ça va rentrer là. Ah, là, j'ai rien. Aïe. Il faut que je fasse sortir tout ce que j'ai là. Même principe de ce côté là. Allez là-bas les gars. Non, on va pas par là toi. Qu'est-ce qu'il fait lui? Pourquoi il reste là ce con? D'accord. C'est cool. J'essaie de foncer et de lâcher les... Non bah non, ça sert à rien là, ils se prennent une charge par l'arrière. Merci. C'est pas des chevaux de frise ou... Non.
Ok, là si je dis là, ça va bien passer par là. Ok, c'est bon. Bon. C'est mal barré, hein. C'est très mal barré tout ça. On va se mettre là et on va attendre, on va voir. Bien évidemment, mon général, je vais le planquer. Hein. Mes généraux, je vais les planquer. Mes généraux, là, ça va me faire. C'est embêtant de les perdre gratuitement, quoi. Je vais essayer de les attirer ici, je sais pas si ça va marcher. Non, ça marchera sûrement pas. Bon, il se passe quoi, là? La cavalerie lourde, ok. Il y a de l'infanterie très légère après, hein. Ça c'est pas très ouf. Oh, ils ont dit mortels aussi. Ok, c'est pas le bon endroit, clairement, ici. Derrière la maison. Les autres là on fait feu. Non, on n'a pas de survivants. Voilà, ça c'est pas trop mal. Bien évidemment en mode garde. On fait décaler pour qu'ils viennent dans les. Qu'ils viennent se prendre des tirs là de nos alliés. Vache, ils sont rapides eux. Voilà, ouais. Général mort. Ah, c'est ballot. D'accord, bon, d'accord. Ils ont perdu leur. Leur course là d'un coup, on sait pas trop pourquoi. Hop, on les refait retourner là. Il y en avait un là derrière là. Oh mais les gars, regardez, vous allez un peu bordel. Bon d'accord, hop, toi voilà. Là j'ai un général qui t'attend. Ça va te faire drôle. Merde. Je les appelle lui, je les appelle. Oh là là, oh là bas. Full tir allié. Ah ouais, je peux pas les maîtriser un par un. Je peux pas un par un maîtriser le mode escarmouche ou non. Donc au moins, ils sont les tirs. Arrêtez de tirer, vous gâchez vos munitions là. Ah là là, bande de PQ. Bon. À se déplacer tranquillement. Allons voir qu'est-ce que ça nous dit. Eux, ils vont bloquer là le passage. Allez, on court les gars. Il y a des frondeurs là-bas. Je veux pas les voir. Ah merde, putain, je vais me zapper encore. Ah. Vache. Putain, ils sont efficaces leurs frondeurs. Hein. Oh merde, je l'oublie lui. Je l'oublie lui. Faites feu à volonté les gars, bon, je sais pas. Ok, lui on va les faire reculer. Ouais, je vais juste les attirer.
tirer à sortir parce que là oubliez pas j'ai des flots de frise donc ce sera un peu couillon de se prendre des dégâts. Hop, et eux il faut qu'ils fassent tout le tour là. Voilà. En cavalerie à distance, je suis en supériorité numérique. Hop. Là tout cela on va les faire aller à l'arrière. Ah putain, mais eux ils vont se faire contourner comme des débiles en plus. Ah bah purée, il est tanky lui hein. Ah là là, oh, toi le général là. Fais pas le con, hein, t'as des chevaux de frise juste derrière. Ah, faut sortir ce général de la mêlée. Ouais, il va se prendre des... Il va se faire tirer dessus là. Allez, vous attaquez là. Voilà, vous avez des... cavaliers à chameau là derrière, c'est gratuit. Ah non, non, on perd pas le... Allez les gars, on se motive un peu là. T'es tout seul quoi. Ok, et on renvoie les cavaleries là. Ouf, joli, 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 très joli ça. Ah, c'est une bonne charge. Bonne charge hein, contre l'infanterie légère. Voilà. Voilà, là il n'y en a plus beaucoup. Parfait. Par contre, ça c'est pas une charge quoi. C'est pas du tout une charge là ce qui s'est passé. Ok, avec la cavalerie, on va foncer là sur la, les unités légères derrière. Là, voilà, les trucs sassanides là, les... Hop, les unités. Vache. Ils ont une cadence de tir, les salauds, là, putain. Vous, les gars, essayez plus de comme ça, là. Voilà, comme ça, on fait... des bonnes charges. Ouais, je vais pas savoir les gars. Hop là. Voilà. Comme ça on élimine bien toutes les unités à distance. Qui font bien mal, elles sont bien entraînées, purée. Hein. Au grand maximum. Hein. Ok là ça tire, on n'est pas trop mal. C'est quoi la lourde immortelle hein. L'infanterie immortelle là pareil là va falloir le soutien de ma cavalerie là. Hop, hop 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 pas trop loin toi. Voilà là les immortels ils vont tomber. Si immortel que ça. Hop, bien évidemment, là c'était une feinte. La vache, la portée. Hop, voilà, on se tient prêt ici. Là, pourquoi il... Personne qui a de munitions ou... Je vais sortir mes unités qui ont plus de munitions parce que là j'y vois pas grand chose, je vais pas vous mentir les gars. Voilà. Ah bah lui aussi. Ok donc tout cela mis à part lui, ils ont de la munition. Ok très bien. Oh les gars, c'est une victoire. C'est une victoire, pas facile. Mais c'est une victoire.
avec des pertes raisonnables. Quand on compare les deux armées, c'est raisonnable. Ok, là ils ont ça, ils ont une unité de cavalerie. Un peu de défense. Après, hop, on va les mettre là en attendant. Lit de pierre coupant. Voilà, on va bloquer les charges là. Enfin, on va limiter l'impact des charges surtout ici. Là, je veux que ça bloque. Je veux que ça double bloque ici, voilà, qui se prenne bien. Ça, bon. Et là, là j'aurais beau pousser, ça va pas faire grand chose. Hein. Bon, on sait jamais. Hein. C'est un malentendu. Là, j'ai que de l'unité légère en plus. Et puis, ça va être compliqué. Hein. Voilà, j'ai une unité de cavalerie là-bas, corps à corps. Okay, je vais tous les mettre là. Non, c'est pas grave. Voilà, ici. Interrupteur escarmouche, bien évidemment, et on les fait très très vite sortir. Alors, les renforts, d'où est-ce qu'ils viennent? Par l'arrière, j'ai bien vu le truc. Hop, toi tu vas te grouiller. Tu vas vite foncer sur les unités ennemies qui sont à l'arrière. Ça c'est parfait. Allez, on tire sur le général ennemi, s'il vous plaît. Les catafractaires, ouais. Et ouais. Non, on se barre pas trop loin, s'il vous plaît, les gars, quand même. Perte quoi. Ils ont une sacrée armure quand même, hein, les salauds. Bon, ça va être tendu, hein. On se retourne. But est qu'ils se prennent une salve. Voilà, il faut qu'ils se prennent une salle d'ailleurs, pas le choix. Eh bah non, j'avais pas vu qu'ils avaient pas d'unité de mission. Oh la vache, il prend cher mon général là, qu'est-ce qui lui arrive? Oh, c'est de l'unité légère hein. Ah putain, bah eux ils ont par contre des munitions. Ah là là, fait chier. Ok, on échange les places, on arrête le feu à volonté, les gars. Voilà. Hop, toi, va donner un coup de main. Et vous, les gars, je veux le retour du feu à volonté, là, contre ce conscrit. Ça se passe comment ici? Ça se passe comme ça, très bien. Hop, on va faire un coup de Draco. Voilà, ça les aidera. Voilà, on arrête le feu à volonté ici. Voilà, il reste du temps, il reste du temps. Là, bien sûr. Il était fortement en difficulté, ça m'arrange.
c'est une... Ça, c'est une quoi? C'est de la cavalerie de mêlée, ça, en plus? Depuis un... Ouais. Ah. Il se rapproche dangereusement. J'ai peur de ne pas arriver à juguler le... À tuer cette armée avant, là. Pas volonté. On va se rapprocher. On va essayer de faire en sorte que là, il tire sur le général ennemi. Pas trop sur le mien. Donc c'est pour ça qu'on va le retirer du corps à corps, s'il veut bien. Non, il a pas voulu, hein, on a vu les pertes. Ok, ça suffira. Hop, allez, on se barre. Tu veux pas aller là, toi? Voilà, toi, tu vas vite là. Voilà, si là, on peut en assurer une partie autre part. Oh, c'est parfait. Ah non, c'est pas parfait. C'est pas parfait, surtout que j'ai un lit de pierre coupante. Voilà, ça fera diversion. On va voir ce que ça donne. On va attendre de juguler là, ils savent pas où aller, ils sont tous paumés. En sorte de les presser un peu. Parce que là, si je reste à porter des projectiles sans rien faire, c'est pas fou. Ok, ça c'est pas mal. On va se préparer à retirer le feu à volonté. Voilà. Voilà. Allez, si on peut éliminer certaines de ces unités là. Parfait. Ils sont de dos en plus. Du coup, ils prennent les dégâts maximisés. Là, on est bien à l'avantage au niveau quantité. Attention, ça se rapproche un peu trop là. Il faut quand même faire attention, faut pas déconner. Est-ce que ça tire? Ça tire. Ça tire, on va se planquer. Voilà. Tout simplement. Simple mais efficace. Là, niveau munitions, bah, j'ai plus grand chose. J'ai plus grand chose, mais là, c'est pas loin de craquer. Hein. Je vais y envoyer mon général. Là, je sais pas si ça tire encore. Ça a l'air. Voilà, là j'ai plus qu'une unité là de... De corps à corps. Pas trop mal. Hop, on arrête le feu à monter. Merde, on arrête le feu à monter, j'ai dit, mode corps à corps. Et là on va charger. On va peut-être pas charger au final. Ok, on annule la charge. On réouvre le feu à monter. Aïe, aïe, aïe. Ça devrait aller.
Voilà, et on les attire un peu autre part. Tirer là sur les frondeurs là, ça me sert à rien. On recule. Attirer les unités au corps à corps, c'est ça le but. Ils sont vraiment bloqués là encore. Ah ouais non mais. Faites-vous plaisir les gars. Alors ils sont sous le feu des projectiles ou pas là encore? Ça a pas l'air. Mais regarde de l'autre côté. Putain, j'ai une grosse partie de mes unités qui ont plus de munitions. Allez, on retire le mode fa volonté. On se replace. Laisser derrière là reprendre du feu à monter là les frondeurs, ce serait pas stratégiquement bien. J'ai très très peu de munitions là. Vraiment falloir que je fasse attention. Voilà, là ça bouge. Hop. On annule. Aïe 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 aïe. Oh la mauvaise idée. Oh j'avais pas vu. Pas fait gaffe qu'il y en avait autant de là de ce côté là qui regardait. Aïe aïe. Fuyez les gars, fuyez plus vite que ça. Oh la vache, j'ai eu des pertes de ouf. Là faut que j'arrête le feu à volonté. Mais il faut que je fasse une fausse charge. Là derrière par contre on voit quoi? Regardez les gars. Hop, voilà, fausse charge jugulée. Attends, mais ils sont cons. Hein. Là on voit quoi les gars? C'est que derrière c'est gratuit. Hein. Hop, c'est parfait. Allez, brouille-toi. Bingo, hop, regardez, hein, c'est gratuit. Hein. Hop, allez, on refait une charge. On refait pas de charge. Le but c'est juste de tenir là les unités qui sont là-bas au corps à corps. Hop, on va revenir de là. Et on reprépare une autre charge. Faut pas les laisser quoi. Regardez là, hop. Entre le marteau et l'enclume. T'as cassé ta plume. Voilà, mon général dans le tas, ça a bien augmenté. Le moral, hop, ils sont bien pris entre eux, tout le monde. Hop, chute de morale, première unité qui fuit. Voilà, effet boule de neige, attention quand même aux frondeurs là. Donc on se creeperce ici, là qui tient, mais pas pour longtemps. Pff, on va gagner, ça, ça fait plaisir. Et voilà. Ça a été difficile les gars, mais c'est encore une victoire. Ça y est, je commence à m'y faire un peu là, la manière de jouer pour les Alains. Ouf.